Bonjour tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes, salut à tous. Petit débrief de la semaine, on va vous parler de plusieurs choses, on va vous parler du roi, on va vous parler du pape. Oui, oui, c'est, oui. C'est très important, le roi et le pape. Mais d'abord, on voulait revenir sur une polémique, on va dire. C'est un peu plus que ça. Oui, c'est un peu plus comme ça. Là, c'est genre même Une crise d'hystérie, là. Ouais, une crise, une guerre de tranchées, genre particulièrement grave, je pense. Suite à... Alors, je vais refaire l'histoire. À la fête de l'humanité, Fabien Roussel, lors de sa prise de parole, a dit cette phrase qui a pas mal tourné très très rapidement, qui a dit la classe ouvrière, elle parle français. Cette phrase, en fait, était extraite de son contexte, parce que quand on écoute la totalité de la prise de parole de Fabien Roussel, en fait, il dit « Non, mais c'est dingue, nos gouvernants, ils n'arrivent pas à écouter la classe ouvrière, à croire qu'ils ne parlent pas la même langue. » Et ensuite, il dit en fait, ils parlent français. Moi, je considère qu'ils parlent français, c'est-à-dire je les comprends. Non pas, ils parlent français à l'exclusion, en fait, de langues étrangères, etc. Donc, le propos, en vérité, n'était pas xénophobe. Mais on se posera quand même la question de... au-delà de ça, parce que il y a la question de la place de Fabien Roussel et du Parti communiste français dans la gauche et dans la NUPES. Mais... en utilisant cette phrase, il y a plusieurs personnes, à commencer par Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image, qui ensuite s'est rétracté en disant « effectivement, je m'étais trompé, je suis allé un peu vite », qui ont comparé Fabien Roussel à Doriot, qui est un communiste qui a fini collabo. Oui, enfin, il n'est pas un communiste, c'était le maire de Saint-Denis. Il était le maire de Saint-Denis. Et puis, t'es maire de Saint-Denis et qui devient fondateur du Parti français, qui part sous les drapeaux allemands pour aller combattre contre les soviétiques et aux côtés de l'armée nazie. Enfin, je veux dire, c'est un très très haut niveau de collaboration et d'abjection, sachant qu'il était qu'il a été élu à la mairie de Saint-Denis qui est donc la capitale du monde communiste moderne. Et donc il y a ce tweet de Daniel Schneiderman qui supprime et ensuite il se justifie, hein, il a fait un post dans Arrêt sur Image pour dire qu'il était allé un peu vite, blablabla. Mais derrière, bon, il y a aussi quelques trolls, comme d'habitude, de tout genre, insoumis et compagnie, qui ont repris le truc. Bon, ça aurait pu en rester là, mais Sophia Chikirou, donc, députée de la France Insoumise de Paris, s'est fendue d'une publication, je crois, sur Facebook, où, en fait, elle remet 10 balles dans la machine et elle dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas du Doriot chez Roussel ?» Et elle, contrairement à Daniel Schneiderman, n'a pas fait d'amende honorable et genre dit bon moi en fait je me suis trompé dans l'interprétation de machin. Non, elle a rien dit d'autre. Et même le lendemain ou un peu plus tard, Jean-Luc Mélenchon a repris la publication de Sophia Chikirou en mettant OK. Point. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça avait l'air, ça s'est passé pour une validation, exactement, du propos de Sophia Chikirou. Moi, ce que ça inspire, c'est que... Non, mais attends, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que quand même, à partir de là, ça a été quand même une bronca énorme à gauche, je veux dire, de tout le monde. Je ne sais pas si chez les Insoumis, il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés sur le sujet. Oui, il y a Raquel Garrido qui a dit que ce n'était pas possible de comparer ça. En tout cas, ça. Fort a fait un poste halte au feu. Ouais. Gage s'est élevé contre ça, chez les écologistes, etc. Tout le monde a dit non, mais c'est juste insupportable. Parce qu'il faut dire les choses franchement. Si Roussel, c'est Doriot, il faut le mettre contre un mur et le descendre. Franchement, non mais sérieux. Donc, C'est plus comme ça, même qu'on gère les collabos. Hein. Enfin, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... en tout cas, on le fait en tôle pour longtemps. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, ils ne se faisaient pas de cadeaux. Mais je suis complètement d'accord. Il y a ça, et puis il y a aussi ce que ça veut dire de la banalisation, en fait, de ce que c'est que Doriot. Enfin, je veux dire... c'est grave, en fait.
en vérité, c'est pas une petite insulte. Et moi, je trouve que ça réhabilite presque Doriot, en fait. Genre, que de dire Fabien Roussel, c'est Doriot, quoi. Ou il y a du Doriot chez Roussel. Et je trouve ça dégueulasse à ce double niveau. Et pour Roussel, et pour ce que ça veut dire de la réhabilitation de Doriot. Après, il y a aussi une partie. Alors, c'est notamment chez les Insoumis. Voilà. Il n'y a rien, en fait, pour justifier ce type d'insulte. Mais il y a une partie, quand même, des Insoumis et de gens, même parfois dans d'autres partis politiques, qui ont dit oui, mais en même temps, Fabien Roussel, il a bien cherché. Hein, c'est quand même pas la première fois. Je vois pas le sujet, en fait. Je vois pas le rapport. Je comprends pas, en fait, ceux qui ont ce genre de mots. Je veux dire, c'est effectivement, il peut y avoir des désaccords politiques, même des désaccords politiques profonds avec Fabien Roussel. Je ne sache pas que ça mérite ce type d'insulte absolument ignominieuse. Donc, en fait, voilà. Après, si tu veux, toi, tu peux parler de ce que ça veut dire comparer Roussel à Doriot. Mais après, j'aimerais qu'on parle aussi de la place du coup du Parti communiste dans la gauche. Oui, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un symptôme d'un niveau de débat, d'une violence interne à la gauche, et en particulier entre le Parti communiste et la France insoumise, qui est fou, quoi. Ça se passe juste après l'affaire où Fabien Roussel dit qu'il faut envahir les préfectures et que Jean-Luc Mélenchon explique que c'est un homme violent et que donc il faut surtout pas valider à cette initiative, le jour même où il y avait des gens, des citoyens qui avaient envahi l'hôpital de Carré en Bretagne parce qu'il n'y avait pas de, il y avait plus de services d'urgence. Donc occupation de services des urgences validée par la France insoumise, mais quand Roussel dit ça, c'est totalement violent et irresponsable. En vérité, de quoi il s'agit? Il s'agit juste d'un affrontement qui est absolument sans contrôle entre le Parti communiste, Fabien Roussel en particulier, et Jean-Luc Mélenchon, et la France insoumise d'une façon plus générale. Je crois qu'il y a il y a ce reproche très très fort qui est du côté de la France insoumise d'avoir eu la candidature de Fabien Roussel lors de l'élection présidentielle, et dont il pense que c'est cela qui a été déterminant dans le fait que Jean-Luc Mélenchon n'a pas accédé au second tour. Donc ce truc-là est en arrière-plan, un peu toujours, de la relation entre le Parti communiste et la France insoumise, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a aussi moi, je dirais pas du tout que Fabien Roussel a bien cherché de se faire traiter de doriotiste, je trouve ça totalement inadmissible. En revanche, c'est certain que Fabien Roussel a décidé d'être extrêmement clivant. Et on avait fait ici un débrief sur les relations entre Fabien Roussel et Rousseau pour dire que bon, en fait, ils se tiraient la bourre parce qu'ils se montaient l'un l'autre en choisissant des sujets plus clivants les uns que les autres et clivants sur des sujets qui sont pas forcément le cœur de l'affaire, quoi. Mais juste pour se distinguer, se faire remarquer. Et ce qui me semble très très clair, c'est que Roussel, lui, il a été élu secrétaire national du Parti communiste en 2018 sur la base de la conviction majoritaire dans le Parti communiste que le Parti communiste était en train de disparaître, absorbé par la France insoumise, faute d'avoir osé affirmer son existence dans la présence aux élections et dans son espace, l'espace public. Fabien Roussel, il est élu pour ça. Et c'est donc ça qu'il fait. Ouais. Mais de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que ça qu'il fait devient une vraie théorisation politique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que d'une part, dans le monde médiatique aujourd'hui, en fait, ils valident, ils reprennent la pratique qui a été initiée par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est-à-dire qu'ils veulent être le bruit et la fureur. Et alors, on le voit avec Fabien Roussel, mais on le voit aussi avec Yann Brossat, par exemple. Sur les plateaux télé, Yann Brossat, il n'arrête pas de faire du clash et du clash et du clash pour essayer d'être remarqué, identifié, repris, etc. Donc on voit bien que c'est une stratégie d'occupation médiatique
Et par ailleurs, c'est aussi une stratégie de une réflexion qui, à mon avis, court en ce moment un peu au Parti communiste et un peu à la France insoumise. Je m'explique. C'est-à-dire, c'est l'avenir, qu'est-ce qui va se passer après 2027 ? L'un et l'autre considèrent qu'ils ont la responsabilité de construire une gauche qui ne s'écroulera pas en 2027 si par malheur Marine Le Pen venait à gagner. Ou, deuxième hypothèse, une gauche qui ne va pas se coucher derrière Édouard Philippe pour empêcher que Marine Le Pen passe. Donc, d'une certaine manière, du côté de la France insoumise et du côté du Parti communiste, l'un et l'autre se posent la question de s'affirmer, d'affirmer, de regrouper leurs forces pour pouvoir avoir une capacité de se maintenir en 2027 et au-delà. Bon, on en a parlé, je crois que c'était même la semaine dernière, de cette ouais. stratégie qui émerge de façon de plus en plus claire du côté de la France insoumise, mais moi je pense que c'est la même chose qui est du côté du Parti communiste et qui en fait s'enracine dans cette histoire de 2018 qui est « il faut que le Parti communiste reste parce qu'au fond, il est le garant d'une histoire et d'une capacité d'organisation de la classe ouvrière qui, sans Parti communiste, n'aurait pas l'outil politique qu'il lui faut. Je suis assez d'accord avec toi, avec un rappel, on l'a déjà dit aussi ici, mais aujourd'hui, vous avez... Dans la gauche, vous avez une force qui est plus importante que les autres, notamment à l'Assemblée nationale, c'est les Insoumis. Et donc, en vérité, et ce depuis 2017, hein, et donc, en vérité, la responsabilité incombe, à mon sens, dans les divisions en fait, qui peuvent traverser la gauche, incombe aux plus puissants, c'est-à-dire aux insoumis. Et lorsque, en 2018, ou juste après l'élection de 2017, Jean-Luc Mélenchon dit des communistes, il s'adressait à Pierre Laurent, « Vous êtes la mort et le néant », évidemment, c'est pas la meilleure façon, après, de s'assurer qu'il n'y ait pas une candidature autonome des communistes, enfin, que les communistes ne veulent pas se ranger derrière lui en 2022. Mmh. Voilà. Et que, en fait, ce sillon, il a été creusé depuis 2017. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez complexe. C'est-à-dire que Fabien Roussel, il a une stratégie médiatique, notamment, enfin politico-médiatique, qui est en train de se transformer en corpus idéologique. Mmh. Il sait très bien faire avec les médias, qu'il aime beaucoup, et c'est tout à son honneur. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, occuper l'espace médiatique, c'est aussi important, notamment avec son opposition avec Sandrine Rousseau, etc. Mais pas uniquement, hein. Il est très bon, il est très bon homme, etc., à la télévision. Sauf qu'au bout d'un moment, se pose la question de, en fait, d'où tu viens, d'où tu parles, c'est quoi ton histoire, tu es inscrit dans quelle dynamique, est-ce que tu es inscrit dans la dynamique là, de la gauche, etc. Et là, je vais remettre pas la faute, mais en gros, je vais poser une question, c'est que en 2022, il a été acté qu'il y ait ce groupe là de la NUPES. Alors maintenant, les insoumis disent ah bah oui, mais ils ont voulu tout le monde y a gagné et en fait ils ont voulu y adhérer juste pour avoir leur groupe à l'Assemblée nationale, certes, mais depuis 2022, donc maintenant depuis un an et demi, que s'est-il passé en fait qui aurait pu permettre à des gens qui ont des stratégies un peu divergentes de revenir en fait au bercail? Et en fait, est-ce qu'il y a véritablement une stratégie unitaire qui s'est dessinée depuis 2022? Bah, la réponse, c'est non. Personne n'a essayé de construire cet espace-là. Franchement, on en parlait avant les vacances d'été, le Parlement de la NUPES. C'est quoi ce truc? Enfin, honnêtement, ça n'existe pas. Et pourtant, ça, c'était une belle promesse. C'était un beau projet, honnêtement. C'était un truc intéressant où, en fait, il aurait pu s'inventer des convergences, une stratégie commune, etc. Ah bah oui, bah, ça n'existe pas. Une forme souple qui permettait à des gens très différents de travailler ensemble. Exactement. Du monde communiste, du monde écolo, oui, et etc. Du monde. Enfin, c'est pas simplement des partis. Non, mais pas simplement des partis. C'est des associatifs, des intellectuels, des... Ça aurait pu être intéressant. Alors maintenant, à la place, on a
cette NUPES, en fait, qu'on voit avancer à chaque fois à géométrie variable. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a la marche contre le racisme et pour plus de justice sociale et contre les violences policières. Eh bien, vous avez les écolos et les insoumis qui appellent à la marche, le Parti communiste et les partis socialistes qui n'appellent pas à la marche. Bon, et toi, t'es là, genre, bon, d'accord, ok, c'est encore un truc bizarre. C'est comme ça, en vrai, ça se décline, en fait, sur tout. Il y a, je sais pas, pour les européennes, par exemple, les organisations de jeunesse qui appellent à une liste unitaire, sauf les JC, les jeunes communistes. On n'arrive plus en fait à voir, à comprendre où se crée en fait cette convergence. Et donc, moi, je voulais peut-être en terminer par là sur le cas Fabien Roussel, c'est-à-dire que il fait une proposition dans l'espace public, une proposition qui est parfois franchement pas très compréhensible, je trouve, pour une partie de la gauche, mais bon, elle existe. Dire qu'il est un raciste, ou dire qu'il est Doriot, ou dire qu'il est sexiste, ou dire que, bon, je pense que c'est n'importe quoi. En revanche, dire je comprends pas, je suis pas trop d'accord avec ta stratégie, genre qu'est-ce que tu fais, ça je trouve que c'est légitime. Et donc il faudrait avoir un cadre pour discuter de ça. Le seul problème, c'est que il se passe comme ce qui s'est passé par exemple à la fête de l'humanité. Moi j'y étais à la fête de l'humanité, c'était épouvantable. Enfin, je veux dire, le climat entre les différentes forces de gauche, mais les gens s'insultaient. Et à chaque fois que je croisais quelqu'un, c'était pour me dire Fabien Roussel, gros con, Jean-Luc Mélenchon, gros con. Ah bah c'est super, enfin c'est vraiment génial. Et je parle de ça, je parle d'élus hein, qui me disaient ça. Ils étaient trop contents de me partager le fait qu'ils trouvaient que Jean-Luc Mélenchon, que Fabien Roussel ou que Sandrine Rousseau étaient des gros cons. Bon bah, on va pas avancé. Moi, j'ai fait un débat qui n'avait aucun rapport avec le schmilblick. Enfin, c'était un débat sur la jeunesse et j'ai eu plusieurs interventions et à la tribune et dans le public pour dire à Fabien Roussel c'est nul, etc. Je sais pas quoi. Et quel rapport avec le schmilblick ? C'est devenu un sport en fait. C'est un sport national, genre de taper sur Roussel, de taper sur Mélenchon, de taper sur Sandrine Rousseau. Mais enfin, les gars, enfin, je veux dire, si on réfléchit comme ça, on va absolument nulle part. Et en plus, du coup, ça crée en fait des inimitiés, mais quasiment physiques, en fait, entre les différentes forces politiques, enfin militants de ces forces politiques, qui fait que on ne peut plus parler. En fait, si je te déteste, genre, mais comment tu veux qu'après je puisse m'asseoir autour d'une table et discuter ? Bah non, genre, je te considère comme un raciste. Bah, comment on veut que Sophia Chikirou ou Jean-Luc Mélenchon se retrouvent à une table avec Fabien Roussel qu'ils ont traité de Doriot ? Bah c'est impossible. Genre, c'est-à-dire que ce qui se passe sur Twitter, en fait, il y en a qui disent, oh non, mais il y a rien à foutre de Twitter, on s'en fiche de ces polémiques sur Twitter. Ah bah oui, mais enfin, quand tu t'es fait traiter de Doriot sur Twitter, bah moi, désolé, mais je vais pas voir la personne qui m'a traité de Doriot sur Twitter. J'ai envie de vous foutre une baffe. Hein. Donc, il y a un problème là. Fin. Donc, soit on débranche, on se dit, bon, toute la gauche, là, on abandonne Internet. Genre, c'est parce que c'est plus un lieu où on peut, enfin, les réseaux sociaux de tout type, hein, genre, c'est pas un lieu où on peut débattre sainement, ou je sais pas, là, on est à un niveau, c'est-à-dire qu'il y a ces élections européennes, mais là, on est au-delà de la question strictement des européennes. Là, on est sur, je sais même plus quoi, parce que moi, qu'on débatte sur le nucléaire, je trouve ça génial, en fait. Genre, on n'est pas d'accord sur le nucléaire, et putain, débattons sur le nucléaire. C'est pas ça qui est en train de se passer. C'est pas du tout ça, c'est qu'en fait, moi, ce que je crois, ben, bon, je vais dire des choses horribles, mais enfin, on vient de se prendre une ratatinée avec la bataille sur les retraites, qu'on espérait quand même pouvoir gagner, vu le rapport de force dans l'opinion publique et dans le monde du travail social, etc., et même à l'Assemblée, et qu'on est en panne, qu'on voit pas comment on va s'en sortir, et qu'il y a, encore une fois, je pense qu'il y a des stratégies de sauve qui peut qui sont en train de se mettre en place d'un peu partout, et notamment de sauve qui peut. Encore une fois, c'est pas médiocre. Hein, moi, je considère pas du tout que les insoumis qui se posent cette question ont tort de se la poser ou que les communistes ont tort de se la poser. Je suis pas d'accord avec la réponse qu'ils apportent. Et l'un et l'autre. Moi, ça fait très longtemps que je pense qu'il y a une question de l'existence d'un parti communiste autonome quand il est à ce point affaibli, et en fait à ce point affaibli, c'est-à-dire en fait enquisté dans une histoire qui ne sait plus surmonter. C'est ça que je trouve qui est problématique, c'est que du coup il ne sait plus que se référer aux jours heureux, aux jours glorieux,
mais qu'il ne s'est plus transformé, c'est-à-dire redire ce que ça veut dire le projet communiste contemporain. Donc je pense, moi ça fait longtemps que je le crois pour le Parti communiste, mais le fait que je sois pas d'accord avec ça ne me fait pas d'un seul coup considérer que les communistes sont tous des traîtres. La sortie de Mélenchon sur BFM, où il explique que tous ses partenaires, il ne les aime pas, et qu'il les énumère les uns derrière les autres. Les écologistes, ils sont nuls parce que ils font du jardinage parce qu'ils sont pas anticapitalistes. Les socialistes, ils sont mignons, sous-entendu, c'est des gros cons. Et les communistes, comme ils sont pas révolutionnaires, ils ont cessé d'être révolutionnaires. Ils ont cessé d'être révolutionnaires, donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça. Et puis après, par ailleurs, en plus de ça, en guise de prime, Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un monsieur qui a fait 22%, qui est quand même un homme politique de premier plan, se permet de s'attaquer ad hominem à Clémentine Autain, en disant que intellectuellement, elle était très décevante et en régression. Enfin, je trouve ça hallucinant. Enfin, je veux dire, c'est une députée du groupe Insoumis, et qu'elle se fasse insulter par ce monsieur sur un plateau télé, enfin, je veux dire, je trouve ça dingue. Et par ailleurs, il a été d'une vilainie avec Ruffin également, en rappelant les choses que Ruffin a fait qui seraient en contradiction avec ce qu'il dit aujourd'hui, mais juste histoire de lui mettre le nez dans son caca. C'est pas possible, quoi. Franchement, non, mais c'est pas possible. Mélenchon peut pas détruire Clémentine Autain et Ruffin. Enfin, je veux dire, ça peut pas être ça, son sport. Enfin, je veux dire, c'est dingue. Il dégomme ses partenaires et il désingue les personnes. Mais non, quoi. Non, mais c'est... Donc, il y a un côté... Encore une fois, j'ai trouvé que Clémentine, elle se fait défoncer par Mélenchon parce qu'elle a dit qu'elle en avait ras-le-bol de la bisbille, des bisbilles entre Ruffin et... entre Mélenchon et Roussel. Et moi, j'étais d'accord aussi avec Olivier Faure quand il dit halte au feu. Là, on est dans un niveau... on va pas s'en sortir, quoi. Là, mais ce que ça veut dire, je reviens sur la sortie de Jean-Luc Mélenchon sur BFM qui a eu lieu dimanche dernier, là, où en fait, ce qu'il dit, lorsqu'il dit les écologistes, les socialistes et les communistes, tout ça, c'est nul, c'est qu'on l'a déjà dit ici, c'est toi qui avais utilisé ce mot, tu dis, il ne reconnaît aucune part de vérité dans des projets qui ne soient pas exactement le sien. Mmh. Et ça, c'est un problème. C'est un problème, en fait, qui montre que aujourd'hui, même qui met en péril, mais depuis le départ, ce que c'est que la NUPES. Parce que s'il a créé la NUPES, parce que tout le monde dit « oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a créé la NUPES », lui-même se targue d'avoir eu l'idée de la NUPES tout seul. Mais si, dès le départ, Ils sont venus signer, il est à un moment donné, dans l'interview de BFM, moi, c'est un truc de phrase qui m'a fait sursauter, il dit « ils sont tous venus signer dans mon bureau ». Voilà. Dans mon bureau. Voilà. Non, mais c'est dingue, ça. Non, mais si, il l'a fait, donc il considère qu'il l'a fait, et que derrière, il dit « vous êtes venus signer, mais en fait, j'en considère aucun parce que vous êtes tous des merdes », mais c'est que dès le départ, en fait, le verre était dans le fruit. Et donc, que leur projet, dès le départ, c'était de les asservir et à leur projet, qui est le projet insoumis. Et je suis pas en train de dire que, moi, à titre personnel, je trouve que le projet insoumis, c'est celui qui m'intéresse le plus, peut-être, des quatre. Mais le sujet n'est même pas là. Le sujet, c'est comment est-ce que tu fais dans un espace politique où tu es peut-être majoritaire, mais tu n'es certainement pas, tu représentes pas 100% de cet espace. Comment tu fais pour laisser exister sans les insulter les autres forces politiques, et comment tu crées des convergences? Et ça, aujourd'hui, là, je le dis franchement, alors qu'encore une fois, le projet insoumis est celui qui m'intéresse le plus. Jean-Luc Mélenchon est incapable de mener à bien, de rendre cohérent cet espace. Parce qu'il a une seule obsession, en fait, c'est genre ces 600, je sais pas combien, de propositions, et c'est la seule chose qui compte, et tout le reste, nul. Il oublie juste que dans le programme de la NUPES, il y avait tous ces astérisques-là qui renvoyaient une note de bas de page en disant bah, « là, on n'est pas d'accord, là, on n'est pas d'accord ». Donc, c'est quand même et un truc sur lequel ils n'ont pas travaillé depuis. Les 640, je sais pas s'il y tient. Ce qu'il voulait, c'était verrouiller le truc. Ce qu'il dit, c'est moi, 10 propositions, j'en voulais pas. Je voulais 640 pour que ce soit bien verrouillé dans le sens de ce que du rapport de force politique que j'avais créé. 22% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,7% pour Anne Hidalgo. La messe est dite, c'est sur mes bases que doit être fait. D'une certaine manière...
quand il y a eu l'Union de la gauche et le programme commun, qui n'était pas 640 propositions, mais qui s'apparentait à quelque chose un peu de cet ordre, peut-être que le rapport de force entre les communistes et les socialistes était plus équilibré, et donc on avait d'abord, le programme commun était sur une base dans laquelle on sait que les économistes communistes à l'époque avaient été très influents, en fait, dans la rédaction de ce programme, mais surtout il y avait un rapport de force plus équilibré qui permettait aux socialistes d'exister. Là, ceci étant, tu vois, tu dis Mélenchon, il est incapable de laisser de l'air aux autres, mais enfin, les autres, ils sont incapables de se créer de l'air. Hein. Ah bah, je conviens tout à fait. Et voilà, et dans le truc, ce que je peux dire, c'est que je désapprouve très souvent les prises de position provocatrices de Fabien Roussel qui sont là pour faire du buzz. Parce que il y a faire du buzz et faire du buzz, je veux dire, on n'est pas obligé, pour faire du buzz, de dire des bêtises. Or, bien souvent, c'est ça qu'il fait, Fabien Roussel. Alors, il y a des désaccords de fond, qui sont, par exemple, ses positions sur la police que je trouve... pas le fait qu'il ne veuille pas dire « la police tue », ça, je pense que ça peut tout à fait se dire. Je pense que le fait qu'il valide encore aujourd'hui sa présence à la manifestation avec les policiers qui mettaient en cause la justice, ça, je pense que c'est pas possible. Quoi. Ouais. Ça, y a vraiment des choses qui sont gravissimes. Quoi. Mais quand il fait ses ironies, comme par exemple dans l'interview de Libération, où Roussel ironise... sur le fait que il a mangé une bavette et que donc du coup il doit y avoir un tsunami en Colombie, c'est-à-dire en gros c'est quoi toutes ces conneries qu'on nous raconte sur culpabiliser de bouffer de la viande, voilà. Alors qu'on sait très bien que ça a un lien. Oui, et puis je veux dire c'est une manière de mépriser toutes les formes d'engagement. Et il n'y a pas que les formes de l'engagement politique global comme ça. Il y a des tas de gens qui font leur engagement au quotidien en étant des militants, des AMAP. Et c'est que c'est tout ce mouvement-là qui va faire qu'on peut faire une bascule. Et il n'y a pas de raison de les mépriser, de se moquer d'eux. Donc je trouve que Fabien Roussel, ça ne va pas, vraiment pas très bien, sa façon de chercher à se faire sa place. Mais il est le seul à chercher à faire sa place. Voilà, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, les écologistes et Marine Tondelier, elle a quand même rentré un coup de pied dans la porte en disant, quand elle avait dit « vous êtes des forceurs », c'était pas très bien non plus comme expression, pas très aimable. Elle avait ras-le-bol. Voilà, et qu'elle tenait tête. Mais sans ça, voilà, je trouve qu'on en dehors de mener le rapport de force, le combat de coq, on voit pas bien... ce que les uns et les autres proposent pour construire une gauche dynamique et plus rassemblée, quoi. Je sais pas où on va. Hein. Non, moi non plus. Bon. Mais heureusement, il y a le pape. On sait pas où on va, mais il y a le roi et le pape, c'est-à-dire des choses qui existent de toute éternité. Non, pas du tout de toute éternité d'ailleurs. Enfin, donc c'est quand même une des actualités de la semaine, hein, ce double événement, en fait, le roi. On a deux, trois trucs à en dire. Allez, on commence par le roi. Parce que, déjà, c'est intéressant que Emmanuel Macron, bon là, je reprends tes mots parce que c'est toi qui m'en avais parlé avant-hier, mais c'est intéressant qu'Emmanuel Macron, en fait, aille se confronter, entre guillemets, à ces deux personnages qui sont censés lui rappeler l'un l'écologie et l'autre la question migratoire, parce que Charles III est très engagé sur les questions écolo et ce depuis très longtemps, hein. Quand il avait 20 ans, tout le monde le prenait pour un uluberlu parce qu'il parlait aux arbres et qu'il mettait je sais pas quoi du miel dans sa Jaguar pour faire avancer sa voiture et pas de l'essence, donc il est très engagé sur ces questions là d'ailleurs. Ça s'est ressenti dans son discours qu'il a fait à Versailles. Et d'un autre côté, le pape François, qui lui est très engagé sur les questions migratoires et sur la question de l'accueil inconditionnel des migrants, et qui, a priori, on enregistre cette émission le vendredi, mais qui, a priori, va en parler dans sa messe. Et dans les deux cas, on espère que Emmanuel Macron saura écouter ses interlocuteurs et que on espère que ça va résonner favorablement. Après, je vais juste revenir spécifiquement sur le roi Charles, parce que j'ai suivi de très près cette actualité. Heure par heure sur BFM, où je suis resté 3h30 à commenter ce truc, ce dîner à Versailles. Plusieurs choses. Cauchemar. C'est que, évidemment,
c'est assez délirant, en fait, de voir cette débauche version Festival de Cannes, de people, de milliardaires, de sportifs, etc., et de ministres, aller à Versailles, qui est genre quand même un symbole, s'il en est, de la monarchie, même si Christophe Barbier a essayé de m'expliquer que Versailles était aussi un symbole de la République, parce que les républicains étaient, les révolutionnaires étaient venus à Versailles demander du pain. Donc j'étais là, genre, ah ouais, enfin, d'ici là, on va faire un symbole de la Révolution. C'est pas un symbole, mais c'est un palais républicain, puisque la République s'est appropriée. Voilà, si tu veux. Attends. C'est un sommet de l'architecture classique et du paysage classique. Non, mais ça, d'accord. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Si tu veux. Mais d'ici là, on dirait que tu as un symbole révolutionnaire, non, quoi. Non, mais ça, je suis d'accord. Donc, il y a tous ces symboles et tout, avec des questions qui me sont venues à l'esprit. C'est si on avait encore été aujourd'hui une monarchie, par exemple une monarchie parlementaire, comme l'est le Royaume-Uni, qu'est-ce qui aurait différé dans la façon dont on aurait accueilli le roi Charles III ? Eh bien, je crois rien. Ni le menu, ni l'endroit à Versailles, ni les invités, qui auraient été exactement les mêmes, c'est-à-dire les milliardaires, les sportifs et les people, et ni même ce qui a été dit, ce qui est un problème. C'est-à-dire que, pour moi, lors de cette rencontre, nous n'avons pas réussi à mettre en scène la République, à faire la monstration au roi Charles III que la République, c'était différente de sa monarchie parlementaire. À ceci près que, et quand même je le note, ils sont allés à Saint-Denis, le couple royal est allé à Saint-Denis, et que ils sont allés notamment dans un club de tennis de table, etc. Ping-pong, ouais. De ping-pong, parce qu'en fait, ils sont allés sur les lieux des JO, les futurs JO, et j'ai trouvé que là, les gens qu'ils avaient rencontrés étaient un peu différents. C'est-à-dire que il y avait un pas de côté, en fait, par rapport au dîner de la veille à Versailles, qui m'a beaucoup plus intéressé. Et je me suis dit, tiens, là, on a essayé de leur montrer autre chose. Bon, et après, il faut quand même aussi dire que, en vérité, la royauté, ça. La monarchie britannique intéresse les Français, j'en en déplaise aux gauchistes que nous sommes. Il y a eu plus de 7 millions de gens qui ont regardé le couronnement de Charles III, ce qui n'est pas rien, hein, c'est quand même un très gros événement. Là, il y avait du monde sur son passage, etc., même si à un moment il a commencé à pleuvoir, donc il y avait beaucoup moins de monde. Mais ça intéresse les Français d'une façon. Sur BFM, les gens de Point de Vue, Gala, Voici, je sais pas quoi, disaient oui, mais ça fait rêver. Je sais pas, peut-être que ça fait rêver, en fait. Mais du coup, il faut aussi, on peut pas juste dire, non, tout ça c'est nul parce que c'est des bourgeois, c'est pas des bourgeois, c'est pire que des bourgeois, c'est carrément des aristocrates. Donc tout ça, nous, il faut leur couper la tête, etc. Bien sûr, c'est audible, ça se comprend, en fait, que certaines personnes pensent ça. Mais il faut aussi avoir en tête ce que ce type de people, en fait, génère dans la population, l'attachement qu'il peut y avoir à la... Parce qu'en fait, on les suit comme si c'était les Kardashians, hein, la famille royale. On connaît leur vie, on connaît leurs enfants, on connaît leur machin, on connaît leurs sorties, où est-ce qu'ils vont en faire du cheval, et où est-ce qu'ils vont je sais pas quoi. Donc, cette fascination, elle, je pense qu'elle dit aussi quelque chose de ce que nous sommes en tant que peuple français. Et je pense pas que ça soit le rattachement à la monarchie, moi, contrairement à ce que pensent nos collègues de chez Point de Vue, mais je pense que c'est j'adore dire ça, mais je pense que c'est un attachement plutôt au people, c'est-à-dire que vraiment, comme les Kardashians, on adore savoir ils font quoi les riches, en fait, où est-ce qu'ils font caca, parce que j'ai appris, non, je dis ça à dessein, sur BFM TV, j'ai appris dans une infographie ce avec quoi se trimballait le roi Charles III, et il se trimballe avec son PQ et sa cuvette. Il a sa cuvette de shot qui l'emmène, et donc là il arrive, c'est délirant, il dort à l'ambassade, et à Bordeaux, je sais pas où est-ce qu'il dort, parce qu'il va à Bordeaux, et il a sa cuvette. Je sais pas, il doit démonter la cuvette, c'est complètement suranné. Là, c'est pour son cul, et il vient avec ses propres œufs aussi. Ses propres œufs ? Œufs. Ouais, ses œufs. Oui, ses œufs, pour manger ses œufs. Et il fait le matin, parce que tu vois, j'ai appris ça sur BFM TV. Le matin, il a 6 œufs, mais il n'en mange qu'un.
Parce que genre ils sont les six en fait ont des cuissons différentes et ils choisissent, ils les ouvrent tous puis ils choisissent celle qui a la meilleure cuisson. C'est ridicule. Mais tu vois ce genre de détails qui sont absolument ridicules. Ben, en vérité c'est passionnant. Enfin pourquoi est-ce que la France aime Proust? Voilà, c'est pareil, tu vois. C'est les la France aime Proust, peut-être tu vas fort. Oui, j'ai peut-être un peu fort, mais pourquoi Proust intéresse en fait certaines personnes? Moi, pas du tout, j'aime pas du tout. Moi, oui. Toi, t'aimes Proust, tu vois. Mais c'est vraiment genre les poutes-poutes machères qui se battent pour savoir à combien de temps il faut faire cuire leur œuf à la coque. Voilà. Mais j'avoue que c'est passionnant en vérité, tu vois. Puisque Proust a réussi à en faire des milliers de pages. Oui, moi, ce que je pense, c'est que ça nous fait sortir du quotidien, voilà, tout bêtement. C'est-à-dire que c'est les contes de fées, ben c'est justement c'est féerique, c'est ailleurs, et que moi je trouve ça pas très grave de prendre du plaisir à regarder, je sais pas moi, des robes couleur de nuit et couleur du soleil ou couleur du temps. Je trouve ça pas grave, voilà. Donc on rêve des reines, des rois, parce qu'on est sur un autre monde. Je fais une incise et je la referme. J'ai commencé à regarder la série Tapis sur Netflix. Et je me suis dit, j'ai lu un papier dans Mediapart qui rappelle... Pour Bernard Tapie, hein, pour le tapis de sol. Pour Bernard Tapie, j'ai lu un papier dans Mediapart qui disait, qui rappelait toutes les vilainies qui avaient été celles de Bernard Tapie et qui sont un peu édulcorées, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la série de Netflix. Et je me suis dit, c'est tout à fait exact ce que dit Mediapart, mais par contre, ça ne rend pas compte de pourquoi Bernard Tapie a exercé une telle fascination. Il y a eu tellement d'attrait pour Bernard Tapie. Et je pense pas que les gens, ils ont été attirés par les crapuleries de Bernard Tapie. Ils ont été attirés par cette espèce d'énergie vitale, d'audace, de culot, de win aussi, d'emmener l'OM. Je sais pas quoi, mais de magouille aussi, oui, enfin de tout ça, et puis que c'était un mec avec de la gouaille populaire, c'était un type d'Aubervilliers, fils de chauffagiste, et que c'est tout ça qui est raconté. Et je pense que il y a quelque chose de l'envie de vivre, de l'envie de rêver, du plaisir de voir autre chose, que on peut peut-être lui donner sa place dans notre univers. Ça, c'est pas si mal, quoi. Voilà. On avait chanté, tu te rappelles? Oui. Voilà, on va se remettre à chanter. On va se remettre à chanter, Jean Ferrat. ou autre chose. Ou autre chose. Et le pape? Ah oui, ben si, le pape, moi j'avais juste un mot à en dire. Catherine a une passion pape. Oui, moi non, mais je m'intéresse beaucoup à l'église, ça c'est certain. Non, mais c'est vrai. À suivre ce qui se passe au sein de l'église, mais c'est comme de regarder de la droite. En fait, quand tu regardes très loin de toi, des fois ça te permet de comprendre des choses. Donc moi je m'intéresse à la droite, je m'intéresse à l'église, et en fait ce que je voulais juste signaler, c'était que il vient de se passer depuis pas très longtemps, mais quelques mois, et probablement parce que c'est la fin du pontificat de François, puisque il a 86 ans et que tout le monde imagine que sa fin va arriver et qu'il y a un nouveau pape va venir, et qu'il y a un gros combat, notamment alors pas simplement de l'extrême droite comme on peut le lire, mais aussi des conservateurs dont l'Église française fait partie pour la plupart, peut-être pas à Marseille, mais en général, contre la lecture que François fait de la place de l'Église dans la modernité, dans le monde contemporain, et qui est, il faut se resserrer sur le corps de métier de l'Église, c'est-à-dire parler du salut personnel, de la question de l'âme, de la transcendance individuelle, etc. Et que c'est de ça, donc c'est ça le cœur de métier. Et je suis tombée sur une discussion entre Pierre Manant et Finkielkraut sur France Culture. Pierre Manant qui est un philosophe très à droite, hein, mais dans lequel il était, c'était ça le sujet, c'est où il disait l'Église d'avoir parlé du monde, elle s'est banalisée, elle est devenue une ONG comme les autres. Il faut qu'elle se resserre sur son corps de métier pour retrouver une spécificité et une attractivité. Et que donc tout ce discours qui porte sur les inégalités, sur les migrants, etc., doit être sorti du discours de l'Église. Et donc il y a un vrai affrontement au sein de l'Église pour la définition, aussi parce qu'ils sont vraiment fragilisés, vraiment en danger, un affrontement pour savoir comment on va
continuer dans le prochain millénaire l'Église catholique. Et donc, il y a les traditionnalistes réac, ultra-fachos, etc., qui en veulent pour des raisons politiques. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus conservateurs, tout simplement, et qui pensent qu'il faut revenir aux fondamentaux, voilà, vous rembobinez et vous repartez sur le début de notre discussion. Ouais. Juste pour aller exactement dans le même sens que toi, moi j'étais sur un plateau avec Laure Lavalette, qui est une députée Rassemblement National de Toulon, et qui, je lui ai dit, au bout d'un moment, on parlait des migrants, et je lui dis, vous faites quoi samedi? Elle me dit, bah rien. Je lui dis, bah vous voulez pas aller à la messe pour écouter le pape? Parce qu'en plus, je sais que c'est écrit sur sa page Wikipédia qu'elle est très catholique. Et donc, je lui dis, allez écouter le pape. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à vous dire sur la question des migrants. Et j'espère que vous en sortirez différente. Et là, elle me regarde et elle me dit, mais je suis pas d'accord avec le pape. Ben oui, ils le disent maintenant. Les gâteaux, pas d'accord avec le pape, on l'a trouvé par terre. Et ben oui, non, mais maintenant, c'est ouvertement. Exactement. Elle a dit quelque chose d'un peu différent, mais ça va exactement dans le même sens de ce que tu dis. Elle dit, pour moi, le pape, il est légitime lorsqu'il s'adresse à moi, en tant que catholique, et c'est-à-dire quand il me dit soit charitable, soit accueillante, soit hospitalière, moi Laure Lavalette. En revanche, je ne vois pas, il n'a rien à dire aux nations. Et en tant que chef d'État, j'ai le droit de le contredire. Parce que là, il vient nous dire ce qu'on doit faire en tant qu'Union européenne, en tant qu'Europe, en tant que France. Et là, pour le coup, je lui nie. Sa capacité en fait à intervenir au niveau national. C'est le resserrement sur vraiment la question individuelle. La question individuelle, exactement. Et donc là, je me suis dit, oh, putain, si même les cathos ils commencent à taper sur le pape, enfin, genre, on va pas s'en sortir, on avait un allié, on avait trouvé un allié. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils veulent même pas l'utiliser. Donc c'est une vraie question en fait de comment aujourd'hui, où bascule l'Église, c'est quand même pas du tout un problème secondaire. Hein. Et, vaut mieux avoir François que Benoît XVI, hein, franchement. Ça, on est bien d'accord. Et c'est sûr que, à mon avis, le Rassemblement National, ils préféreront toujours Ratzinger à l'Amérique latine. Mais ce que je voulais dire, c'est, tu parlais de la probabilité qu'il y ait un nouveau pape qui arrive incessamment sous peu. Pour en avoir parlé avec des spécialistes, parce que, oui, dans un temps ancien, j'étais au comité de rédaction de Témoignages chrétiens. Donc, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise, ce qui se passe dans la curie romaine. Et en vérité, c'est très compliqué, en fait, de savoir comment les rapports de force en fait à l'intérieur des cardinaux qui vont ensuite choisir le pape. Parce que je rappelle juste comment ça se passe. Il faut que ça soit choisi à la majorité. C'est à la majorité et donc tous les cardinaux mettent un nom sur un papier. Ensuite ils regardent et s'il n'y a pas de majorité, ils recommencent. Et puis ils font ça jusqu'à ce qu'ils trouvent une majorité sur un nom. Et donc ça permet en fait et parfois ils mettent plusieurs jours comme on le sait jusqu'à ce que la fumée blanche sorte. Tu crois qu'on va faire ça pour désigner notre candidat? Ah ouais. Oh, ça serait super. Ça serait marrant, on se met ça. Tous dans une salle et on va sur des papiers jusqu'à ce que l'annonce sorte. Ouais, enfin si on sort ratiné. Ouais, donc vas-y, termine. Tout ça pour dire que c'est très complexe en fait de savoir les mécaniques en fait politiques qui se jouent à l'intérieur de ce conclave. Je rappelle qu'ils sont complètement en bulle à l'extérieur du monde. Tu vois. C'est très complexe, mais en même temps, il y a des enjeux idéologiques très forts qui ne concernent pas que la politique, hein, qui concernent vraiment la conception de l'Église, quoi. À mon avis, l'autre là, le petit François, il va aller choper là tous les évêques français. Oui, oui. Il va discuter avec eux avant de mourir, il va leur dire un dernier petit mot parce qu'ils vont être là à la messe. Et normalement, il doit les nommer aussi. Il les nomme cardinaux. Ouais, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est qu'il nomme un maximum de cardinaux plutôt progressistes que complètement progressistes. Conservateurs. Oui, c'est des termes qu'il ne faut pas transposer complètement. Non, mais je suis plutôt. Non, mais voilà, oui, c'est quand même. Je comprends. Mais pas complètement réac, quoi. Ouais, pas sur tous les sujets. Voilà. Et donc, il y a un vrai enjeu, effectivement. Et après, on va voir. Ce que Emmanuel Macron aussi, parce qu'il va assister à cette messe, ça a été même l'enjeu de polémique récemment, il va assister à cette messe sans communier, c'est très important. Ben oui.
on va voir ce qu'il va en ressortir. Est-ce que c'est exactement comme Charles III, c'est-à-dire que, genre, à mon avis, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ou est-ce qu'il va en faire quelque chose, en fait, de cette parole du pape? Et à ton avis, les paris sont ouverts. On vote, on prend un petit papier. Parce que je rappelle quand même que cette semaine aussi, Gérald Darmanin a balancé « Aucun migrant de Lampedusa ne viendra en France, je sais pas quoi », ce qui n'est pas tout à fait vrai. Après, il a modulé son propos, mais il savait très bien que c'était ça qu'on allait retenir. Il y a ceux qui ont droit à l'asile qui, bien sûr, viendront en France. Mais, franchement, quelle mais honte, c'est une honte, en fait, comme le signal politique est absolument honteux. On va voir si Emmanuel Macron, après la messe du pape, rectifie le tir. J'en doute, mais les paris sont ouverts. Bon. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.